Hello mes beauties, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Grâce à Vore TV. Ma chaîne YouTube, ça consiste à faire la cuisine, la décoration intérieure, des vlogs, make-up, la coiffure et arrangement. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo d'arrangement. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez, vous ne serez pas déçus. Grâce à VertuVie, c'est pour vous. Grâce à VertuVie qui tord comme un casse. Donc là, je vais vous présenter l'arrangement de ma cuisine, comment j'arrange. Même si vous possédez 3 mètres ou 5 mètres carrés, je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Donc là, c'est ma petite cuisine. J'ai la micro-ondes, j'ai une centrifugeuse, j'ai fait mes jus dans une centrifugeuse, j'ai une bouilloire. J'arrange mes pâtes ici et là j'arrange les sucres. Donc les sucres dans cette boîte et là-bas je fais mes céréales. J'arrange ici. J'aime bien ma petite armoire. À l'intérieur, je possède plusieurs choses. Ça me permet d'arranger des nappes, des sous-plats et les provisions de ma... J'en provisionne pour mes petits déjeuners ici à l'intérieur. Donc, ces astuces, je voulais partager avec vous. Même si vous possédez une petite cuisine, ne vous décourage pas. Donc là, c'est mon endroit préféré. Donc, c'est la cuisine. J'espère que même les hommes, ils préfèrent la cuisine. Parce que si tu veux manger, tu rentres toujours dans la cuisine. Tout le monde. Donc là... Je vous montre le modèle pour mes sous-plats. Comment je mets les sous-plats ici. J'arrange mes céréales ici pour amener ça dans le boîte qui se trouve là. Donc c'est comme ça, on arrange là dans ce boîte. Si on veut boire du céréales, on prend dans le boîte et la réserve, on met ici. Donc là, c'est les pâtes à tartiner. On a toujours la possibilité d'arranger, même si vous possédez une petite cuisine. Donc, il y a toujours des armoires, des placards bien pour arranger. Là, vous voyez, il y a les thés. Si on veut boire du thé, j'ai mes boîtes pour servir à table. Donc, je prends mes sachets de thé, je mets dans le boîte et je sers à table. Tout en dessous, au fond, il y a tout ce qui est petit déjeuner et par-dessus de ça, vous avez des nappes et des soupes. Donc, c'est comme ça, j'arrange mes petits tiroirs. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ensuite, j'ai une deuxième tiroir. Je vais vous montrer tout ce que j'arrange dans mes tiroirs parce que j'aime bien ces armoires. Donc, ça me permet d'arranger plusieurs choses dedans. Voilà, là j'ai une ballon d'eau chaude. Cette ballon d'eau chaude, ça nous permet d'avoir de l'eau chaude dans la douche, même si on lave les meubles. Mais ça m'a pas permis de mettre les meubles autour dans ma cuisine. Donc, avec ces ballons d'eau chaude, on a les frigos qui nous ont séparés entre côté petit déjeuner et côté. Et cuisson, ma plaque de cuisson. Donc, on a mis ça au milieu, le réfrigérateur, parce que ces côtés, on a les fenêtres. Si j'ai fait à manger, comme j'ai pas installé la hotte pour évacuer les odeurs, on a ici ce coin des petits déjeuners. Par contre, derrière, vous voyez, c'est des compteurs de gaz. Si les gens des GDF viennent, ils prélèvent le gaz là-bas. Donc, ça nous a même pas permis d'installer tout ça. Ces côtés, on a des portes. Ça permet pas de meubler aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous montrer mon souci et partager l'arrangement de ma cuisine avec vous. Donc, ici, j'ai fait à manger. Les odeurs, ça part dans l'air. J'ouvre les fenêtres tout le temps. À chaque fois, j'ai fait à manger. L'autre côté, c'est pour le petit déjeuner. Donc, je m'en sors comme ça. C'est pour cela que je vous conseille à aimer vos cuisines telles qu'elles sont.
mais arrangez bien. Conseil que je pourrais vous donner. Grâce au Vert TV, restez connectés, abonnez-vous, likez, partagez. Vous ne serez pas déçus. Donc, c'est comme ça, j'arrange. Hein. J'ai séparé ma cuisine, les fenêtres pour dégager les odeurs. Donc, côté cuisson, parce que nous, Africains, la nourriture, c'est toujours grasse et des odeurs fortes. Vaut mieux mettre à côté des fenêtres, les odeurs, ça part. Et du coup, là, je vous présente mes fouets. Donc, j'installe ça ici. Par-dessus, je mets les papiers films, les sachets de décongélation. Là, je mets mes ustensiles. J'ai trois sortes d'ustensiles, en bois, en fer et en plastique. Là, je mets mes tabliers, mes torchons pour le vaisselle et pour les casseroles. Donc, c'est là où j'arrange dans le deuxième tiroir. Ensuite, dans le troisième tiroir, j'aime bien cet endroit, cette armoire. Là, ça me permet d'arranger mes couverts ici. En dessous, il y a une bague en plastique. J'arrange les plastiques tout en dessous. Donc, c'est vraiment génial cette armoire. Voilà. C'est comme ça, j'arrange tout en dessous, quatrième tiroir, j'arrange la vaisselle pour le service en table. Je peux mettre des haricots, des sakasaka, des légumes, voilà. Ici, c'est là où j'arrange. Voilà, ça me permet d'arranger. Ici, ma vaisselle. J'arrange ma vaisselle. J'ai côté vaisselle noire. Tout en haut, j'ai des sortes de vaisselle en rectangle et en carré noir et en blanc. J'ai aussi des sortes de plateaux. Je vais vous montrer en noir ou en blanc aussi. J'arrange aussi mes céréales, la mienne, en haut dans le placard des vaisselles. On a toujours des solutions, même si la cuisine n'est pas grande. Mal faite, donc on trouve toujours des solutions pour arranger. Voilà. Là, je vais pouvoir fermer mon placard. On passe à une autre étape. Voilà. Là, je vous montre les boîtes de cure-dents. Je mets du sel de l'autre côté. Et en dessous, là, je mets la provision des cure-dents. Je mets tout ce qui est provision, huile, purée pour les repas chauds. Quand je fais les chauds, je prends ici. J'aime bien arranger parce que si vous arrangez bien, ça permet, même si tu envoies l'enfant, et à la facilité de voir tout ce que vous arrangez. Regarde les cocos. Oh là là. Là, c'est les poisson sec, nous les Africains on aime bien ça. Là c'est des curcuma, j'aime bien les curcuma, gingembre et citron, je manque jamais cela chez moi. Donc ça c'est l'arrangement de mes provisions pour le repas chaud. C'est comme ça, je arrange. Ensuite j'ai l'arrangement de mes couvercles, j'aime bien cet endroit. Et ensuite là à côté j'arrange mes ustensiles en plastique et en fer. Donc là, je vous montre comment j'arrange. Là, c'est j'arrange les couvercles ici, les petits et le grand tamis, passoire. Donc là, j'ai mes ustensiles en plastique. Au fond, j'en ai en fer et en bois aussi. Donc, j'ai trois sortes d'ustensiles que j'utilise. C'est pour cela que je voulais vous montrer. Là, j'ai le pince à salade. Donc, je mets ça, des petites pinces. Voilà, cannelé. J'arrange ici. C'est la façon dont j'ai trouvé pour arranger ma petite cuisine. Ça, c'est écumoire, donc en bois, en fer. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais
vous présenter pour ma petite cuisine. Ensuite, j'ai ici mes ustensiles en plastique, en couleur. J'aime bien les couleurs aussi. Ça fait du bien en noir. J'en ai en blanc, j'en ai aussi orange, bleu. Donc, j'aime bien avoir plusieurs ustensiles. C'est vraiment bien pour la la boîte cuisine orange, d'avoir c'est fait plusieurs pour les ustensiles ustensiles de de couleur. cuisine. C'est Donc, vraiment important. c'est comme ça, Donc, j'arrange là, le j'en noir, ai j'en en noir, je mets vous ai ici les montré. couteaux noirs, les Voilà. ustensiles noirs, voilà, Il y a ciseaux toujours des noirs, idées voilà, c'est dans comme toutes ça. choses, hein. J'ai Là, je vais vous retiré montrer ici l'endroit où mes je mets mes ustensiles. plateaux, le plateau des enfants. En dessous, c'est nos plateaux à nous, le plateau blanc. Et tout au fond, je mets les couteaux et je mets aussi les plateaux noirs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je mets les assiettes, j'ai les assiettes noires et les plateaux noirs, j'ai les assiettes blancs et les plateaux blancs. Là, j'arrange tous mes couteaux, je les laisse ici. Donc, j'aime bien l'endroit où j'arrange mes tasses. J'arrange mes tasses, mes verres ici, j'aime bien. J'aime bien avoir plusieurs verres, plusieurs sortes de tasses. Donc, j'aime bien ma maison. Donc, j'aime bien avoir plusieurs verres. Là, c'est les verres à eau, apéro. Comme je ne bois pas l'alcool, on ne boit pas l'alcool. Il y a des verres à vin, on utilise ça aussi pour les liqueurs. Donc, on peut boire, on peut faire des cocktails avec. Donc, c'est comme ça. On arrange nos verres. Ensuite, j'aime bien mon frigo. Il y a le miroir. J'utilise mon frigo. Ça me permet de ne pas acheter les packs d'eau. Là, je peux prendre de l'eau. C'est déjà filtré. Ensuite, je vous présente à l'intérieur de mon frigo. J'ai de l'eau gazeuse. Et voilà. Du jus en dessous. Et les boîtes de lait. On arrange ici, ces côtés. Ensuite, là-bas. Tout en haut, vous avez les œufs. Là, j'ai mes boîtes. J'arrange les fruits ici, les citrons. Je mets ces citrons pour absorber et avec du vinaigre. La boîte, je mets les citrons pour utiliser pour le corps à manger. Là, je mets mes yaourts, les charcuteries dans cette boîte. À côté, je mets les sauces rapides pour la sortie. Des enfants, des canettes. Là, je mets les chikwangs à chicken dolé ici dans cette boîte. En dessous, pardon, il y a le gruyère. J'achète un grand paquet de 5 kilos. Je mets mes casseroles pour conserver à manger. Là, c'est le gingembre. Comme j'aime bien les gingembre, citron et curcuma. Donc, je n'en manque jamais. Ensuite, j'ai ma boîte des légumes. J'arrange tous des légumes ici. Si je veux préparer, j'ouvre, je prends. Et là, je mets du jus, de l'eau pétillante. Voilà mon frigo. Comment il est arrangé. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien mon frigo. Là, ça me permet d'arranger le médicament en haut et les œufs. Là, ça me permet d'arranger les crèmes fraîches, mayo, tout. Les cubes, magie, du lait, du jus. Donc. Ensuite, là, j'ai mon côté évier. Je vous présente ma poubelle. J'ouvre ça avec le pied. Là, je présente mes casseroles pour préparer. J'aime bien faire la cuisine. La cuisine, c'est mon domaine. Donc, là, c'est les grilles pour griller les poissons, la grillade des poissons. Donc, mon talaka, on appelle ça un lingala pour mettre sur le barbecue. Voilà. Là, je vous montre là où je mets mes casseroles, mes boîtes en plastique pour nettoyer, assaisonner. Je l'arrange ici tout en bas. Donc là, c'est mon petit coin, mon petit évier. J'utilise tous les jours. Tous les jours, quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Regardez mon petit évier. Il y a tout ce qu'il me faut. Là, je mets en dessous des leviers, j'arrange les éponges. J'ai avancé la caméra pour vous montrer les grilles pour faire les poissons
Et mes casseroles que j'aime bien mes casseroles. C'est une bonne qualité et durable. Voilà, ma petite cuisine. Là, c'est mon plat, la plaque à cuisson. J'ai mis de l'eau pour faire la semoule. En même temps, là-bas, j'arrange les oignons. Voilà, dans les corbeilles. En dessous, on a les lave-linges. Comme on n'a pas l'espace dans la douche, on met notre lave-linge ici, en dessous de la plaque à cuisson, pardon. Voilà. C'est comme ça, on a installé notre petite cuisine. Par là, j'ouvre l'armoire. Vous avez tous les épices. Donc, tous les épices ici dans la boîte, vous avez tout. Les petites épices, du sel, huile d'olive, huile balsamique, huile de palme, vous avez des olives aussi, riel de canard, voilà. Quand je prends en boîte, je mets dans cette boîte en plastique, j'arrange ici, là c'est bicarbonate pour faire des légumes verts. Ensuite, vous avez les cubes or. Or, et là vous avez fait des lauriers et des gingembre en moulu, donc c'est comme ça les bâtons de tige pour le pique-brochette ou pique-fruit. Donc, c'est comme ça j'arrange. Là, dans le boîte, vous avez la cuisseur de riz et ensuite mixeur, ce que j'utilise souvent, vous voyez dans mes vidéos, et là c'est ma friteuse. Donc, c'est en haut, si on veut utiliser, on le prend. Après, on l'arrange là-bas. Et dans le petit coin là, on arrange les sacs, les petits placards étroits. On arrange les sacs pour faire les courses. Si on finit de faire les courses, on met à sa place et on ferme les placards. Donc, c'était ça. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous mes beauty. Restez connectés sur Grâce Faveur TV qui toque en ma casse. Que Dieu vous bénisse.